Et salut à tous et salut à toutes mes amis florentins. Rendez-vous au stade Olympico pour jouer face à Juve en Supercopa. Ce serait bien de commencer la saison en gagnant un trophée. Je vais vous montrer les nouveaux transferts. Alors il y a Gabriel, il y a Zenidi du stade de Rennes. Raphaël Léao de la Milan, il y a Szymański polonais, il y a Morelos aussi, que je vais mettre à la place de classe de Viking sur Dorcard. C'est parti. Bienvenue à tous, c'est la Super Coupe, un duel en haute altitude entre les deux plus belles équipes de la saison dernière. On les a accompagnés jusqu'au sommet, les voilà de retour après une longue période de préparation pour ce match à part. Il est question d'honneur bien sûr et de lutte pour ce magnifique trophée. La pelouse est belle, l'ambiance est au rendez-vous, que demander de mieux? Le Stadio Olimpico est vraiment une enceinte à l'ancienne avec sa piste d'athlétisme. Ça lui confère un charme certain, je dirais. Vous avez regardé la feuille de match, est-ce qu'on peut s'attendre à un simple match amical comme parfois dans le passé? Bon, c'est vrai que cette Super Coupe n'a pas toujours été prise très au sérieux, d'autant qu'elle intervient très tôt dans la saison. Mais j'ai l'impression que les équipes l'intègrent maintenant parfaitement dans leur préparation. C'est le premier trophée de la saison. Allez. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Et il continue sa course. Ça peut faire mal. Dommage qu'il n'ait pas levé la tête. Il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. Ramsey. Peut-être une occasion pour Cristiano Ronaldo. Il y a peut-être un coup à jouer. Alexandre et le ballon qui est remis dans l'axe. Peut-être le tir. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. Raphaël Léao, il écarte sur l'aile. De Ligt. La Juventus qui cherche l'étincelle. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il allonge dans le dos de la défense. Jusqu'au bout. Oh dommage, la passe était parfaite. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. Décide d'allonger le jeu.
retrait vers son défenseur. Il joue long. Il se fait pardonner. Allez, c'est Valos. Arthur. Peut-être une occasion pour Higuaín. Higuaín. Il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Ça joue à gauche. Bien servi. Oh, il a pris des risques. Ce sera un coup franc. Higuaín. Touche. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Voici un remplacement qui pourrait être bien intéressant. Eh oui, un peu de sang frais, ça ne fait jamais de mal. C'est récupéré facilement. Rougani, quelle intervention! Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué long. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Dans la profondeur. C'est bien. Énorme occasion! L'arrêt splendide! Ah, ça c'est magnifique. Chapeau! Ce sera le premier corner du match. Chance. Il y a mis du cœur, mais il est loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Cuadrado. Ça n'a pas pu aller plus loin. Il allonge le jeu. Le bon dribble. Oh, le contre, l'arme fatale. Cette fois, ce n'est pas passé, mais il a eu bien raison de tenter sa chance. Oui, mais il prend la mauvaise décision en finale. Dommage. Physiquement pour récupérer ce ballon. La Juventus. Allez, c'est dangereux! Aucun danger pour le gardien. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing. Alors il frappe. C'est plutôt bien joué. La Fiorentina qui procède à un autre changement. Ah, devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Gabriel. Dani Ceballos. La longue passe. La passe est précise. À l'arrivée, il ne pourra rien faire de ce ballon. Coup franc pour la Juventus. Et évidemment, c'est carton jaune. C'est allongé. C'est joué long, c'est dangereux. Un ballon intéressant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Le gardien dégage. Loin.
c'était une occasion pour Higuaín. Gabriel qui récupère ce ballon. Dani Ceballos. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. La première période est terminée. Qu'en retiendrez-vous? Moi, je trouve qu'on a assisté à une bonne première période. Alors oui, ça manque de buts, mais on ne s'est pas ennuyé. Ça peut plus se décanter après la pause. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant et on se retrouve tout de suite. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Parade superbe! Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage! Ceballos. Bon service dans la profondeur. Il était bien présent. C'est joué dans l'espace. Il est tout seul. Attention au centre. Il est passé. Il peut frapper là. Superbe, mais ça ne donnera rien. Ah, c'est pas payé. La Juventus qui procède à un changement dans cette rencontre. Dybala entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Coup franc pour la Juventus. Il cherche son coéquipier. Oh, Higuaín. Avec Dybala. Le tacle. Oh, le bon tacle glissé. Cristiano Ronaldo, ça passera sur le côté. Il enchaîne les dribbles. Coup franc pour la Juventus. Pour un attaquant, c'est bien. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en dire. Arthur. Dybala. Coup franc pour la Juventus. Ce ballon sur l'aile. Il est en bonne position pour centrer. Le bon jaillissement. Alexandre. Il frappe loin devant. La longue passe, il peut en profiter. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Ils sont menés, mais ils ne baissent pas les bras. C'est bien, il faut continuer dans cet état d'esprit. Et dégagement du gardien. Belle intervention de Gabriel. Et c'est récupéré encore une fois. Paolo Dybala. Oh, voici Huntola. Yann Huntola vers l'arrière. Pas tellement de solutions. C'est joué long. Il est marqué de près. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. C'est osé.
Le gros dégagement. Cette attaque n'a pas pu se développer. Il ne résiste pas au contact. Ça manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Ils sont passés tout près d'égaliser. Ah oui, c'était vraiment chaud là. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Il y a distance de... Quelle notation, attention! Ils étaient tout près de revenir au score. La victoire ne devrait pas leur échapper, on y est presque. Ils sont à quelques instants de la consécration. Oh, la frappe! Allez, la défense pousse un gros ouf de soulagement. Ça, c'est de la détermination. Elle a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué. C'était une bonne intervention. Bonne interception, il y avait danger. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Le chrono tourne, s'ils ne mettent pas le ballon devant, on va en rester là. Bien, la profondeur. Dégagement le plus loin possible. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Encore en position de hors-jeu. Le long dégagement du gardien.